tous, bienvenue pour ce 75e numéro de l'émission HP Hour. On est ravis de vous retrouver avec mes chroniqueuses préférées. Alors avant de démarrer, je vous rappelle ou je vous apprends que ce dimanche 17 juillet, ce sera la journée mondiale de la justice internationale et au sens de, on le disait à l'antenne, de équité, justice sociale, et ça a aussi un lien avec notre invité qu'on découvrira dans quelques instants. Alors Elodie, de quoi on parle avec toi aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'on fait plutôt, puisqu'on est plus dans l'action? Aujourd'hui, on va faire un bracelet pour l'été. Voilà, c'est la rubrique donc DIY, qui veut dire Do it yourself, qui veut dire fais-le toi-même. Voilà, on retrouvera également Virginie. Alors Virginie, vous le savez, c'est les conseils beauté et mode pour l'été. De quoi ça va traiter cette semaine? Donc on va découvrir l'accessoire indispensable de l'été. L'argent pour partir en vacances. Pour mesdames et messieurs. D'accord, voilà. Ah, suspense. Et Karine, avec Karine, on est dans la récup créative, mais Karine, vous le savez, c'est à chaque fois le secret. Tout à fait. Donc on se retrouvera tout à l'heure dans son atelier où nous fouillerons dans la malle magique pour en découvrir les matières premières qui nous permettront de fabriquer quelque chose de sensationnel. Allez, on démarre tout de suite cette émission avec le jingle Hello, c'est parti. Pour mon DIY de la semaine, je vais vous proposer un bracelet de l'été, un bracelet hippie. Pour cela, il vous faudra donc des chutes de tissu, du filet, une aiguille et des petits accessoires que moi j'ai retrouvés sur mes anciens bracelets. Je ne sais pas si ça va se voir. Donc des strass, des paillettes, des perles, tout ça. Il y a parce des... que nous, oui, on l'a pas vu. Oui, c'est ça. Nous, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. Oui, pardon. Alors, il y a des... Donc, ça, ça n'est pas. Mais des... Oui, des petits... de perles qu'il y avait sur mes anciens. D'accord. Donc tu me copies, tu fais la récup. Eh bien oui, c'est mon modèle, tu ne savais pas. Il faut toujours prendre un tu es mon sur idole, c'est ça, quand on est plus âgé. Allez, alors. Ah ben, donc pour moi. Cela, les petites chutes de tissu. Donc moi je reste dans les couleurs orangées, des couleurs des couleurs chaudes, voilà, donc, pour l'été. Pour découper les bandes, vous faites le tour de votre poignet et vous prenez à peu près comme ça. Pour pouvoir les accrocher et les enfiler. Donc, et, vous laissez donc du flou. Je vous rappelle que vous aurez la fiche technique d'Elo sur la page d'HP Hour pour avoir toutes les dimensions. Bien sûr. Donc vous découpez ces bandes de tissu et ensuite il faut les coudre tout ensemble. Et ensuite vous pouvez les décorer donc avec les perles. Que les perles, tu les colles ou tu les couds? Comment tu fais pour les fixer en fait? Je les enfile. Comme ah, dans le oui. Dans ce que tu as. Oui, parce qu'il y en a certaines cousu. En fait elles sont. Elles ont les trous assez larges pour faire passer le fil. D'accord. Ah oui, je et pensais sinon, que c'était des trucs que tu collais dessus. Non, mais en fait, non, oui, d'accord. Tu les fais passer dans le. Les anneaux, ouais. C'est, elles vont constituer ton bracelet, en fait. C'est ça. D'accord. C'est pour faire un peu bling bling, un peu de. D'accord. De folie. Donc on te laisse faire. Allez, je veux bien. Et on se retrouve en fin d'émission pour voir le résultat final. D'accord. C'est parfait, ça nous va très bien. Virginie, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Hein. Donc on part à la plage avec Virginie tout de suite. C'est parti. Vous connaissez sans doute cet accessoire, mesdames. Alors moi non. Qui mesdames, elle a dit. Oui, mesdames. Mais moi je connais pas. Qui va te servir aussi. Qui a ah bah alors là, c'est absorbant. Donc qui a deux grandes possibilités aussi l'été de nous aider. C'est en le glissant sur un vêtement. Donc bon, on va faire là. Karine, la démo. Marche. Donc en le glissant. Sur le. Sous les selles. Ouais. Moi je trouve que c'est fun quand même. Je trouve que c'est alors, sexy. Mais non, mais alors. Tu te recouvres. Et ben... quand même. Et si ça tombe. Ou sur une chemise pour les messieurs. Ouais. Et ben tu voilà. Rigoles, mais moi j'ai des trucs comme ça. Mais oui. En fait, ils vendent dans le commerce des choses comme ça qui coûtent très très cher, qui sont un tout petit peu plus larges, mais c'est le même principe, effectivement. Voilà. Donc peut-être que ça revient moins cher, effectivement. Je ne sais pas combien ça vaut des serviettes. Pour le producteur en conférence, l'animateur ici, oui, moi je stresse, donc je transpire. Voilà, donc ça évite toutes les auréoles sur les chemises. Ouais, ouais, absolument. Mais aussi toutes les transpirations. Donc évidemment, vous ne mettez pas ça sur un débardeur l'été. Voilà. Voilà, ou un haut transparent pour les dames. Exactement. On va éviter. Non, mais c'est une bonne idée parce qu'effectivement, ça masque les auréoles, ouais, c'est vrai. Et la seconde solution pour un protège-slip, c'est quoi? Je sais pas, moi je connaissais que ça. Un protège-slip. Si vous transpirez des pieds. C'est très glamour, c'est très glamour cette émission. Vous le glissez dans vos chaussures. Au fond de la chaussure, voilà, sur la semelle, vous le collez. Mais non. Ben si. Mais comment ça fait avec la chaussette?
Mais tu le vois pas parce qu'il est... Tu te le colles sur la chaussette, alors. Mais ça marche à travers la chaussette. Ça dépend si tu te le mets au fond de la chaussette. Tu te le mets au fond de la chaussette. Non, parce que moi je suis d'accord avec vous. Effectivement, si on met pas de chaussette, ok. Mais si tu mets une chaussette, ça peut pas absorber. Au fond de la chaussette. Et tu le mets au fond de la chaussette. Ah, à l'intérieur de la chaussette, d'accord. Voilà. Et l'été, ben, sur les on évite sur les claquettes puisque derrière ça retient pas le pied. C'est pour ça. C'est pas très. Non, on est d'accord. Voilà, si on veut rester dans la tendance, mais en ayant un peu d'image quand même, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est l'accessoire qui peut aider tout le monde de cet été. Donc ça, c'était ouais, effectivement, c'est intéressant. C'est malin. C'est malin. C'est malin, c'est pas cher et ça peut rapporter beaucoup. Eh bien écoutez, c'est sur cette note positive qu'on va te remercier Virginie. Ah, moi j'en veux bien une avec rubrique comme ça toute la semaine. Tiens, je te toutes les semaines. Merci. Allez, on va voir ce qu'a donné la rubrique d'Élodie juste avant la rencontre avec notre invité de la semaine qui doit se demander où elle est tombée. Mais voilà, c'est un petit peu à chaque fois le choc des cultures avec les invités que nous recevons. C'est ça qui est sympathique aussi. Alors, Hello. C'est fini. Donc avec une robe longue et des spartiates comme disait Virginie, ça peut faire très côté hippie. Oui, c'est carrément hippie. Oui. Donc j'ai rajouté les perles sur les tissus. J'ai rajouté un petit bracelet en élastique en plus pour ajouter les perles et le côté foufou. Voilà, sur la plage donc votre bracelet, comment tu l'as appelé? Bracelet hippie. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Évidemment, bien sûr. Donc ça, il vaut servir sous les bras. Vous êtes parés pour l'été. Et là, on dit merci qui? Merci HP Hour. Voilà. Alors, c'est parti. Allez, on va passer à notre invitée de la semaine, Corinne. Bienvenue. On va redevenir un petit peu plus sérieux. Et on va parler de l'association Albert Perrière qui fête ses 50 ans, donc, à la rentrée prochaine, en octobre. Oui. Et donc, vous êtes venue nous parler de cette association, parce que moi, je l'ai découverte sur Facebook. Et donc, j'aimerais bien savoir ce dont il s'agit. Alors, rebonjour Corinne, est-ce que vous pouvez nous parler donc de l'association Albert Perrière que vous êtes venue nous présenter aujourd'hui, qui fête ses 50 ans, on l'a dit, en octobre prochain? Oui, c'est une association effectivement qui est sur le territoire donc, d'Haute-Pyrénées depuis 50 ans et qui œuvre au quotidien à réinsérer des personnes qui ont des passages à vide dans leur vie, des parcours un peu chaotiques et qui n'ont d'autre solution à un moment donné que d'arriver chez nous effectivement où nous proposons l'hébergement et la réinsertion sociale. Avec à la clé, si tout se passe bien, effectivement, récupérer un travail ou une formation et un logement. D'accord. Voilà. Alors, comment ça se passe? Quel type de personnes, à travers toutes ces années, vous avez touché? Est-ce qu'il y a un profil, j'allais dire, de personnes? Ou est-ce que vraiment vous êtes confronté à tout type de population en termes d'âge, de sexe, de milieux sociaux? Alors, aujourd'hui, on est confronté. On est une micro-société, j'ai envie de dire. Voilà. C'est-à-dire que n'importe qui, malheureusement, pour X raisons, quelquefois des raisons qui peuvent sembler anodines comme une rupture dans un couple, tout peut conduire effectivement à CHRS. Donc aujourd'hui, nous hébergeons des jeunes gens de 18 à 25 ans, des familles, papa, maman, les enfants, des personnes isolées, des personnes en situation de demande d'asile sur le territoire français. Mmh. Voilà. Donc on est vraiment un reflet de la société actuelle. D'accord. Ouais. Et par exemple, vous parlez des demandeurs d'asile. Est-ce qu'avec les actualités qu'on a entendues, notamment l'année dernière ou en fin d'année, est-ce que vous avez eu plus de demandes de cet ordre-là? Alors non, pas plus, parce que sur le département, vous avez des centres qui sont spécialisés pour l'accueil des demandeurs d'asile, ouais. Et que nous, dans notre mission d'origine, on n'est pas sur ce public-là. Donc ça n'a pas embolisé les places plus que d'habitude. Donc justement, quel type d'accompagnement? Vous avez dit accompagnement social, donc concrètement ça consiste en quoi et quel type de personnes chez vous accompagnent ces... Alors les équipes, ce sont des professionnels des métiers du social, donc éducateurs, moniteurs éducateurs, conseillères en économie sociale et familiale, animateur socioculturel et sportif. D'accord. Voilà, maîtresse de maison, TISF, voilà, on est quand même une équipe très pluriprofessionnelle et nous accompagnons les personnes, j'ai envie de dire, du tout début jusqu'à la fin sur
tout ce qui est une vie normale pour tout un chacun. Ça va être effectivement effectuer des démarches administratives, ça va être se mettre en contact avec des associations extérieures, puisqu'on ne fait pas tout nous, on dirige beaucoup sur l'extérieur. D'accord. Associations sportives, associations culturelles, associations au niveau de l'emploi, au niveau de la formation, au niveau de l'école, au niveau de l'alphabétisation. Voilà. Ouais. Donc, on essaie au quotidien d'assurer une présence, parce qu'on a des personnes qui sont quand même très démolies, parce que c'est une étape difficile à passer quand on se retrouve en CHRS, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on a tout perdu. Donc, il faut déjà pouvoir se poser, réaliser, pour après pouvoir rebondir. Et on se saisit beaucoup de tout ce qui est sport, culture, occupations diverses et variées pour arriver à travailler sur l'estime de soi. Ouais. Voilà. Parce que tant que la personne, effectivement, n'est pas revalorisée, elle ne peut pas, S'investir sur de la réinsertion pure et dure. Voilà. D'accord. Alors, parlons un peu des 50 ans. Est-ce que, déjà, ça passe vite. Et qu'est-ce qui est prévu pour cet anniversaire qui aura lieu donc en octobre, on l'a dit. Vous aurez peut-être l'occasion de revenir nous en parler. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui se profilent ? Qui se dessinent, oui, tout à fait. Alors, on a voulu vraiment axer sur la convivialité et le culturel, et le local. Ça a été très important pour nous, puisque 50 ans sur un territoire, pour nous, ça a du sens, et ça fait partie des valeurs, effectivement, que porte l'association. Donc, on est sur quelque chose de festif au travers de deux groupes qui vont jouer en soirée, le 7 octobre. Donc, on a un groupe d'Odos, les Starbes, voilà, qui vont venir faire une heure et demie de concert. Et on a la chance d'avoir JB Bullet qui va intervenir sur la soirée. D'accord, que nous avions reçu pour la fête de la musique, rappelez-vous. Et qui a été fort intéressé, justement, par ce que nous faisions au quotidien, par les personnes que nous hébergions, et qui a souhaité et tenu effectivement à participer à cette animation. Et après, tout ça autour effectivement d'un buffet, un lieu où propice à la rencontre, à la discussion, voilà, quelque chose de très convivial, de très simple, de très humble, pour nous c'est très important. Et une après-midi, parce que là je vous parle de la soirée, mais une après-midi, pardon, plus dédié aux enfants, puisque l'association accueille une trentaine d'enfants, ah ouais, ouais, de tout âge. Donc, avec des jeux un peu type Interville, ouais, si ouais, ça vous parle. Oui, voilà, ouais, très bien. Ouais. Voilà, pour qu'on puisse partager effectivement beaucoup d'éclats de rire et oublier un peu. C'est ça, oui, donc c'est ça sera des manifestations très festives en tout fait. À fait. Après, d'accord. Tout à fait, voilà. Et alors, pour parler de votre parcours à vous plus personnel, qu'est-ce qui vous a conduit à œuvrer au sein de cette association ? Quel est un peu votre parcours ? Alors, mon parcours, il est un peu atypique, parce que moi, je ne suis pas du tout du social, je suis infirmière de formation. Ouais. Voilà. Par contre, très vite, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai passé une vingtaine d'années. Et au détour de cette expérience en psychiatrie, j'ai rencontré le monde du social. Donc, quand l'occasion m'a été donnée, effectivement, j'ai voulu intégrer l'association Périguerre, que j'ai connue en tant qu'infirmière psychiatrique. D'accord. Et c'est une association qui est importante pour moi. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous l'avez rencontrée, que vous les avez rejoints ? Alors, je suis directrice de l'association depuis 3 années. D'accord. Voilà. Et c'est une association que j'ai connue il y a une quinzaine d'années dans le cadre de ma fonction d'infirmière du secteur. D'accord. Voilà. J'ai une question par rapport le siège, il me semble qu'il est à Odos même. Oui, on l'a pas dit effectivement, parce que vous et parlez. Et je me demandais par rapport aux habitants du village et tout ça, comment était perçue la population du centre d'hébergement auprès de tous. Alors la question, elle est très très intéressante, parce que il y a eu, j'ai envie de dire, une intégration en vague avec des très très gros creux. Et aujourd'hui, on est plutôt sur le haut de la vague, puisque la population change aussi. Hein. Mm-hmm. On n'est plus sur ce qui s'est passé il y a 50 ans, avec des personnes très très désinsérées, les routards, ce qu'on appelait les routards, mm-hmm, des gens qui avaient fait un choix de vie un peu particulier. Aujourd'hui, on est, comme je vous disais, hein, ça peut être vous, ça peut être moi, on est plus sur des gens qui rentrent dans la norme, entre guillemets, des gens qu'on peut rencontrer n'importe où. Et les villageois sont rassurés parce qu'on est dans la transparence, on est dans le lien, on en participe aux fêtes de village, on participe aux différentes manifestations, voilà. On essaie de démystifier un peu l'image du CHRS. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça se passe très très bien. Voilà. Les personnes que vous aidez, qui sont donc les résidents, voilà, vont participer aussi à la manifestation. Ah oui.
Voilà, ça tombe bien que vous répondiez parce que je n'arrivais pas à prononcer mon mot. À la manifestation de, d'octobre, oui, ils ont De quel ordre ça va être, vous savez déjà ils vont être effectivement dans l'organisation, puisqu'on a des réunions régulièrement pour caler les idées. Les idées, elles ne sortent pas de mon panier à moi, hein. Elles sortent vraiment de l'envie des personnes à créer cette journée, à la construire. Ils vont participer en tant qu'invités, en tant qu'acteurs, en tant qu'invités. Donc, ils sont au milieu, c'est... ça part d'eux, parce que si l'association est là depuis 50 ans, c'est parce qu'ils sont là, soyons clairs. D'accord. Voilà. J'ai une petite question. Oui, mais je vous en prie. Il me semble, je ne vais pas trop dire une bêtise, c'est que vous avez un espace ouvert au public. Oui. Voilà. Oui. Il y a 2 ans, nous avons réouvert ce que nous appelons les ateliers Don Bosco, sur Tarbes, au 16 avenue Hoche. Et l'idée, c'est effectivement d'être sur de la récupération de mobilier, électroménager, vaisselle, bibelots, vêtements, et de réhabiliter ces objets et de les vendre à coût vraiment réduit pour permettre aux personnes qui sont sur la sortie des dispositifs sociaux de pouvoir se loger à moindre coût, mais de façon tout à fait correcte et confortable, quoi. Voilà. Donc c'est les résidents qui occupent qui s'occupent de relouquer ou quoi. Ils sont encadrés, ouais. Déjà, effectivement, il y a une équipe autour, hein, pour un peu les guider. Et ensuite, le concept, c'est gratuitement d'aller vider des maisons ou de prendre ce que les personnes viennent nous déposer sur les ateliers, de faire du tri. Mm-hmm. Et ensuite, certaines choses sont réparées ou réhabilitées, redécorées. Très humblement, parce qu'on n'a pas trop de savoir-faire par rapport à ça. On démarre, hein, ça fait que 2 ans. Et ensuite, de les reproposer à la vente, effectivement, mais à coût réduit. Voilà. Donc, donner une deuxième vie, pardon. Donner une deuxième vie, parce que ça aussi, ça fait partie des valeurs qu'on veut véhiculer. C'est-à-dire pas de gaspillage, de la solidarité, de l'invention. Et, voilà. Partage. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que si les téléspectateurs qui nous regardent veulent faire don de meubles, d'objets et tout ça, ils peuvent le faire. Tout à fait. Donc, on peut donc peut-être donner les coordonnées du site internet de l'association qui s'inscrivent en bas de votre écran. Et il y a une page Facebook voilà. Exactement, que vous pouvez aller découvrir. Donc, n'hésitez pas justement à aller la découvrir et puis les gens peuvent vous contacter. D'ailleurs, pour avoir aussi des renseignements sur l'association, peut-être vous aider. Il y a des bénévoles également qui... Aujourd'hui, pas de bénévoles, mais c'est effectivement une perspective que nous envisageons. Oui. D'accord. Donc justement, si vous souhaitez avoir une action bénévole au sein de l'association Albert Périgère, n'hésitez pas à contacter cet asso via le site internet ou la page Facebook. Merci beaucoup Corinne d'être venue nous rendre une petite visite. Ça a été, parce que je sais qu'il y avait un peu de stress. Voilà, je pense que la rubrique de Virginie nous a tous détendus. Allez, on va passer à quelqu'un d'autre qui sait nous détendre grâce à ses petites mains pleines de doigts. C'est notre amie Karine. On va découvrir ce qu'elle nous a préparé cette semaine. On va aller donc dans son atelier juste après ce jingle. C'est parti. Bonsoir. Alors, on se retrouve dans ton atelier. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans ta malle magique? On va utiliser des dalles en bois de jardin. Oui, alors moi j'en ai chez moi. Tu en as chez toi. Alors, pour faire l'activité... Non, pas pour ce. Pour faire l'activité d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'une dalle en bois de jardin, d'un pot de peinture. Peinture acrylique? Acrylique. D'accord. D'une scie, de 3 boîtes de conserve, de papier autocollant, de pinceaux, de ciseaux, de papier à poncer, ça c'est pour Steve. Merci beaucoup. De ruban, de vis, et d'une visseuse. Vous avez bien tout noté. Pour faire quoi? La fiche technique sur la page HPower Facebook de l'émission. Alors ensuite. Pour faire quoi? Eh bien alors, c'est la question qu'on te pose. Est-ce que tu lis dans les WC, Steve? Non, je lis dans les boules de cristal, je lis dans les... dans les WC, j'ai jamais fait, mais bon. Est-ce que tu lis quand tu poses tes petites fesses dans les WC? Non, mais je pourrais, si ça t'arrange, je peux. Aujourd'hui, on va faire un porte-revue pour accrocher dans les toilettes. D'accord. On a toujours les bouquins qui traînent par terre dans les WC, on va faire un porte-revue. D'accord, alors c'est parti. Donc on va prendre notre dalle en bois, qu'on va couper, on va garder 2 lattes. D'accord. On va servir de la scie pour faire ça. Et on aura donc ceci. Nous allons ensuite un petit peu le poncer.
avec du papier à poncer, alors soit une ponceuse électrique ou le papier, un petit peu le poncer. Une fois poncé, nous allons... Donc, dans la vraie vie... prête. Non. Dans la vraie vie, vous pensez pas comme ça. Parce que si vous pensez à la Karine, comme ça, ça ne sera jamais possible. Allez, pense-le à la Steve alors. Donc vas-y, et continue pendant ça. Voilà. Ensuite, ah, ben voilà. Pardon. Bonjour, je suis au roi du ponçage. Bon, donc voilà. Nous allons ensuite peindre cette petite plaque. On brosse d'abord, non? Pour enlever, ah oui, faut enlever la poussière, on essuie pour enlever le ponçage, voilà, et ensuite nous allons le peindre. Donc toi tu as choisi une peinture acrylique grise. Voilà, grise un peu foncée, gris souris, hein, on gris t'a appelé un chat, un chat. Et pendant que tu vas peindre, nous allons faire travailler notre invité du jour. Attention, ça y est, Corinne. On va lui demander d'habiller la boîte de conserve. Oui. Nous allons l'habiller avec ce papier plastique que nous allons découper. La grandeur. Oui, c'est au fond. La grandeur de la boîte. C'est un peu lent. Donc on va découler. Il vaut mieux prendre son temps que ce soit bien fait. Et s'appliquer, oui, tu as raison. Pendant ce temps-là, Elodie, tu vas pouvoir nous couper un petit ruban. Quelle taille ? Avec des petits cœurs. Un petit peu plus grand. Un peu plus grand. Ouais, là c'est bon. Donc pendant qu'Elodie et Steve finissent de peindre la plaque, notre support de notre porte-revue. C'est l'acrylique, hein. Ça part. Que Corinne nous a collé notre petit. Merci Corinne. Merci Corinne. Autour de notre boîte de conserve, nous allons mettre un petit ruban pour décorer. Bon, ça c'est. On l'agrémente comme on le souhaite après. Hein. Donc après les boîtes de conserve, soit on dispose un papier autocollant comme ça, soit on les pince, on fait ce qu'on veut. Ou naturel. On peut laisser aussi les boîtes naturelles, on peut coller de la corde, ce que l'on sache. Voilà, on a fait un petit nœud. Donc on reproduit trois fois cette opération. Donc on a fini de nos trois boîtes et notre support. Nous allons visser nos trois boîtes sur le support, comme ceci. Qui a été divinement peint, hein, je tiens à le signaler. Oui, oui, d'ailleurs, j'en ai. Tu l'as bien peint. Non. Et ça nous donne un support de revue que nous pouvons accrocher dans les WC où nous pouvons mettre tous nos bouquets qui ne traîneront plus par terre. Ah oui, t'as mis un crochet derrière. Et j'ai mis un crochet derrière, bien sûr, pour l'accrocher sur le mur. Bon, Karine dit dans les WC parce qu'elle est complètement libre avec son corps, mais vous pouvez aussi le mettre dans une salle d'attente, quel rapport, parce que voilà. Donc non, mais c'est pour dire, vous pouvez l'adapter aux pièces que vous voulez. Dans une salle d'attente aussi, chez... Voilà, comme je viens de le dire il y a 30 secondes. Alors, écoutez, puisque Karine fatigue, on va se laisser et on va vous remercier de nous avoir suivis une fois encore cette semaine et chaque fois de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, Corinne, d'être venue nous voir. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site... de l'association Albert Penninger sur leur page Facebook et qu'en octobre ils fêteront leurs 50 ans. Le combien déjà? Le 7. Le 7 octobre. La semaine prochaine. Joyeux anniversaire maman le 7 octobre. Voilà, c'était intéressant de le rappeler. Maman, la semaine prochaine nous recevrons Alexandra de My Girly Popote et le 13 juillet un groupe que tu étais venu nous présenter qui s'appelle Le Brio jouera à Bourg, donc n'hésitez pas à aller les voir parce que c'était un groupe très sympa et qui proposait des concerts. Le lac de Bourg. Ouais, exactement. En plein air. Complètement. Du feu d'artifice. C'est ça, donc des fêtes debout, hein, autant appeler un chat, un chat. Non, des fêtes du 13 du 14 juillet. Voilà, tout à fait, puisque le 13 est à la veille du 14, je me permets de vous le rappeler. Bonne semaine à tous, à bientôt. Ciao. Alors. Donc, attention, pas d'alors, pas de donc, oui, pas de voilà. Ouais, ça va devenir très dur là. Allez, c'est parti. Donc. J'en étais sûre. C'est comme le ni oui ni non. On devrait jouer au ni alors ni donc. Vous connaissez sans doute cet accessoire. Alors, moi, non. T'es sûr? J'étais le premier excusez, à dire en antenne ce que c'était. J'ai été choquée. Je me suis dit Virginie. Vous connaissez sans doute ce grand accessoire, mesdames, qui a un grand pouvoir d'absorption.
Absorption. Tu n'as plus qu'à recommencer. Allez, on et voilà, quand on veut. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'accessoire qui peut aider tout le monde de cet été, mine de rien. Alors que vous ne le saviez pas. On est presque dans la récupérative de Karine. Et alors, je vais t'en dire. Ils sont pas utiles. Ouais, non, c'est bon, j'ai senti, donc ça sera pour le bêtisier, j'ai senti que j'allais m'entrer vers un terrain glissant. Vous voulez un bonus? Oui, je ne sais pas, parce que je vais tout servir. Ah, alors dis-moi. Ouais. Alors, ça sert aussi pour les pilotes de Formule 1 ou quoi, ou les personnes aussi qui portent des casquettes. Ouais. Tu mets où? Sur le devant de la casquette, en fait, là, pour éviter la transpiration sur le front. D'accord. Ouais, ouais. Et quand tu salues une dame, c'est super agréable. Moi, je transpire pas du front, juste les auréoles. Il salue pas les dames. Non, non, plus non. Toutes les semaines. Merci. Écoute, attends, je vais la. Tu veux la coller? On va la mettre là où tu disais. Et je vous dirai en fin d'émission. Colle-la sur la casquette, pas sur ton front. Non, mais c'est pas grave, je suis sûr que comme ça, quand tu salues une dame.